Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez Lidl, Aldi et la papeterie Mosane. Alors on commence tout de suite avec Aldi. Ici je ne saurais pas vous donner les prix pour tout parce que je ne retrouve plus mon ticket. Donc voilà, tout d'abord une belle brossette, ramassette et une grande brosse qui est là dans mon coin pour ramasser tous mes petits morceaux de papier en rose évidemment. Comme toujours, le rose est nato. Alors, des bics. Stylo en couleur d'écriture, écrivant longtemps avec une pointe de 1,0 mm. Il y en a 10 dedans, ça devait être 2 euros, je crois. 1,99 € quelque chose comme ça. Toujours chez Aldi. Encore chez Aldi. Toujours des stylos à billes. Là, parlons de 3, ça devait être aussi dans les 1,50 €, 2 euros. Voilà. Chez Aldi toujours, une autre sorte de stylo à billes avec poussoir. Aussi de couleurs différentes. Je ne saurais pas dire quelle couleur, oui, bleu. Attendez, c'est peut-être marqué derrière. Bonne capacité plastique, hein. Non, c'est même pas marqué. Enfin, soit. Ça sert toujours. Un petit agenda 2017-2018. Oui, malgré que j'ai des planaires, quand même que j'achète des agendas. On n'en a jamais trop. Voilà, une page par jour, sauf le week-end, c'est deux pages. C'est deux jours sur la même page. Voilà. Encore et toujours les tons pastels et roses. Donc ceci, toujours chez Aldi. Deux cahiers à anneaux, genre cahier à Thomas. Voilà. Ils font 16,5 cm sur 21 cm. Lignés. Ouverture transparente, on va pouvoir altérer. Oups, c'est la main à l'envers. Voilà. Alors, également chez Aldi. Voilà, comme il y en avait des roses, je me suis pris une brosse à dents électrique. Bien que j'en ai déjà une. Mais elle devient vieille, ça fait 10 ans que je l'ai. Et comme il y en avait une rose chez Aldi, j'ai pris ça. Donc ça ici, j'ai le ticket, c'était 19,99 €. Désolée pour les bruits de voiture et de moto. Et les brossettes de rechange. Voilà, et les brossettes de rechange, c'était 4,99 €. Voilà, c'est tout pour Aldi. Ah non, pas tout. Deux paires de gants de jardinage avec un joli papillon. Rose et vert. Évidemment. Voilà, ça c'est tout pour Aldi. Et ça, je ne sais plus le prix. Ça devait être aussi aux alentours dans les 2 euros, quelque chose comme ça. C'est jamais très cher non plus. De toute façon, pour ce qu'on en fait, c'est pas la peine non plus de prendre des trucs qui coûtent vachement cher. Alors, chez Lidl, là, j'étais enchantée parce que j'ai trouvé des petites pochettes de 10 pages de 39 stickers chacune, enfin sur celle-ci avec les petites étoiles, et ça c'est 99 cents pièce, donc il y a 10 feuilles chaque fois. Autocollant décoratif, ça pour mettre dans les planaires, c'est excellent. Alors ici toujours 10 feuilles de 11 stickers chacune sur les anniversaires. Toujours chez Lidl, ça, bien sûr. Les petits cœurs. Toujours 10 feuilles de 18 stickers, ici. Les smileys. 10 feuilles de 37 stickers, chacune. Et évidemment, pour finir, deux jolis papillons. 10 feuilles de 13 stickers, chacune. J'étais contente de cela. Trop beau.
Donc ça, c'était 99 cents. Alors ici, ça, c'est la première fois que j'en vois. Ce sont des crayons genre surligneur, marqueur surligneur, mais ici en point de crayon. Je ne sais pas, on verra bien ce que ça fera. Voilà, en vert, en jaune et en rose flash. Ça, c'était 99 cents aussi. Et évidemment, quand je l'ai vu, oh, je me suis dit, oh Nato, ça c'est pour toi. Merveilleuse licorne, mes idées créatives. Alors, il y a du tricot. Il y a du tricot. Alors, on peut faire une licorne au crochet. Décorer un mug. Un coussin licorne, un t-shirt licorne, porte-clés licorne. En pâtisserie, crotte de licorne. Cookies licorne, rainbow cupcake et gâteau licorne. Cosmétiques, gel douche à paillettes, boule de bain effervescente, savon à modeler. Et licorne partie, guirlande licorne partie, serre-tête licorne partie, popcorn arc-en-ciel et loup de carnaval arc-en-ciel. En fin de livre, il y a les patrons. Mettre autrement à agrandir bien évidemment. Une autre page. Et là c'est les réalisations des recettes et tout ce qui va avec. J'ai vu aussi qu'il y avait des livres à colorier, mais je me dis je suis un peu grande quand même pour les livres à colorier. Oh, le gâteau est magnifique en pâte à sucre. J'ai eu la chance, pour mes 50 ans, j'ai eu une collègue en or qui m'a fait un super gâteau avec des petites licornes dessus. Et voilà, les cupcakes multicolores. Enfin, voilà. Et ça, c'était le livre licorne. Livre licorne, 3,99. Voilà. La référence pour ceux qui veulent. Voilà, c'est tout pour Cyril. Et maintenant, nous allons passer à la papeterie Mosane. Ça, évidemment, tout le monde, je sais que tout le monde n'en a pas, parce que voilà, c'est un genre, c'est une papeterie en fait, voilà, tout simplement. Et voilà, donc on commence. Alors ici, j'ai pris les outils pour travailler les pâtes à modeler et la pâte Fimo, bien évidemment. Comme j'ai l'intention de m'abonner au nouveau magazine Fimo qui va sortir ici en Belgique. Parce qu'il est sorti en France, mais pas encore en Belgique. Il y a un décalage de 15 jours. Donc voilà, donc je me suis déjà pris ça. Voilà, sculpté. 5 outils en un. Et ça, étui. Un tampon, ça va ça. Fimo, set de bricolage, 4 pièces. Oh, il y en a 5, mais bon. Non, c'est pas possible. Ça, c'est ce prix-là. Couteau, 3 pièces. Ça, c'est ça. Fimo, set, 4 pièces. Donc. Couteau, 3 pièces, bricolage. Artemio, tampon, c'est pas ça. On va bien me le compter. Les brochures plastiques, ça c'est ça. Couteau, c'est ça. Tampon, Artemio. Ah oui, ah bon, voilà. On ne me l'a pas compté, donc j'ai eu pour rien. D'accord. Tant pis. Alors, un lot de 4 couteaux. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça, accessoires. Outils de modelage. Ici, c'est marqué Fimo, set de bricolage, 4 ébauchoirs en plastique. 4,45 € de la marque Fimo. Voilà. Et alors, comme Rose Bonbon le conseillait, d'avoir une lame
très fine pour récupérer sa pâte fimo une fois aplatie, etc. Et même pour couper droit. Donc elle avait conseillé d'avoir une lame. Et ici j'ai trouvé un set de trois lames de la marque Fimo aussi. Toujours à la papeterie Mosane. Et ça, les couteaux, trois pièces m'ont coûté 11,60 €. Donc je ne veux même pas savoir le prix des autres, hein, disculpez. À mon avis, j'ai fait une bonne affaire aujourd'hui. Donc voilà pour les outils pas de Fimo. Alors, on va passer au set de tampons. Oui, j'ai craqué mon portefeuille, craqué mon slip, comme on dit. Alors, ici, les petits Indiens dans un canoë de la marque Artemio. Alors, ici, on va voir à l'aventure. Indian Summer, ticket tampon. Bristol, c'est pas ça. À l'aventure, voilà. C'était 3 euros. Toujours sur le thème indien. Indian Summer. Ça, je viens de voir le prix. C'est 3 euros aussi. Toujours la marque Artemio. Oups, je suis pas dans le cadre. Voilà. Alors déjà en préparation des cartes de Noël, des cartes de vœux. Désolée pour les reflets. Voilà. Étiquette Noël, 3 euros aussi. Un joli attrape-rêve. Rêve ta vie. Rêve ta vie en couleur. 3 euros aussi. Toujours Artemio. Oh, toujours sur le thème des Indiens. Toujours la marque Artemio. C'est le set de tampons. Bon, il n'a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Bon, set de tampons indien, j'imagine. Ça, je l'ai fait. Indian Summer, je l'ai fait. Attrape-rêve. Artemio, étiquette Noël. Indian Summer, à l'aventure. Transparent Noël. Ça, c'est autre chose. Donc, celui-là, alors, ça doit être attrape-rêve. Donc ça ne serait celui-là. Marque Artemio, c'est pas marqué. Donc ça doit être 5,50. Voilà, celui-là c'était 5,50. Alors, toujours pour rester. Désolée pour la petite coupure. Alors, ici. Vassens Créative, toujours sur le thème indien. Alors, celui-ci, planche A5, bah oui, ça doit être celui-ci. 6,45. Désolé. Voilà, avec des mots en français. C'est super chouette. Vivre ses rêves. Instant magique. Douceur de vivre en famille. Juste soi, dream, capture d'image, le rêve est une seconde vie, tendre rêve et doux songe. Voilà. Donc celui-là, c'était 6,45. Alors, on passe encore à Noël, toujours chez Artemio. Alors, celui-là, c'est 10,95. Et le dernier set de tampons, toujours Artemio, sur les bannières, mais qui peut faire des petits sapins, tout à fait. Moi, je vois bien son petit sapin, sans problème. En plus, il y a déjà des décors dessus, donc voilà. Et celui-là, c'était
Un ticket de Noël. On se passe ça. Ouais, bah ça doit être 10, 40, 10, 95 aussi. Ouais, 10, 95. Voilà, 10,95 aussi. Voilà pour les tampons. Désolée pour le bruit. Alors, moi, j'ai pas pu résister. Quand je les ai vus, évidemment, toujours de la marque Artemio. Un super grand attrape-rêve. Quand on voit ma main à côté, qui fait grand quand même. Et ça, c'est 15,85 euros. Voilà. Et alors, les petites bordures. Toujours dans le style indien. Amérindien plutôt. 15,85 aussi. Toujours ça à la papeterie Mosane. Et alors, je ne sais jamais ressortir de là sans des pochettes de papier Bristol. Voilà, j'ai pris celle-ci en 12,5 sur 20. Donc blanche, hein, sans ligne, sans rien. Et le format A4. Ah oui, et ça c'est... papier Bristol, 3,70 pour s'en fiche. Et ici, en format A4. Donc c'est du 21 sur 29,7. Et ça c'est 8,40. Et bien voilà pour ce petit haul. Je vais vous retrouver après dans un autre haul action. Mais là je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée, bon samedi. Salut!